Dernier tour de plus à 40 minutes devant, Vladimir Kokanovski à 41 fois. 42 fois, j'adjuge. Noël, félicitations quand même, c'est ouais, un bel achat. J'ai le frère, alors j'ai dit, tiens, après tout, on va bien voir. Hein. Avec Guépard, j'ai été heureux, on était heureux, et puis ça continue, voilà. C'est un beau cheval, on est allé le voir et tout, c'était bon. Et puis c'est le dernier achat, parce qu'après je m'en vais, c'est fini, hein. Ça va, c'est fini. J'en ai déjà, ça va, ouais. C'est un peu cher, c'est un peu cher. Mais bon, pas grave, hein. On compte plus. Si dimanche Idaho gagne le Critérium, ça change quand même pas mal les choses. Oui, oh, j'ai pas visé ça spécialement, non. Je me fais plaisir, le fun me plaisait. Pour moi, c'est un beau poulain. Donc après, bah, c'est l'avenir qui nous dira si on s'est trompé ou pas. Hein. Pour moi, jusque-là, c'est le poulain qui dépasse le top price des top price. Donc, puisque 40 000 jusque-là, donc mon meilleur prix était 28 000 l'année dernière. Donc avec un frère que je vais présenter tout à l'heure. Mais donc voilà, donc là c'est encore formidable. J'ai eu un top price mardi. Et là, j'en refais un à nouveau. Enfin, donc, pour le moment, la journée n'est pas terminée. Donc, attendons, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. La mère de Lazare est une sœur de America, la mère de Idaho. Voilà, donc on est exactement dans les mêmes origines. Et tout à l'heure, les deux poulains que je présente là en suivant sont également dans la même souche. Voilà. Quelle semaine donc, hein, pour vous? Quelle semaine? Ah, ben donc après, aujourd'hui c'était un jour J. Maintenant on est à J-3 de la belle avec Idaho, mais il faut courir, voilà.